Paul. Ne vous formalisez pas. Le président est à cran avec cette affaire. C'est normal. Il mise énormément sur son second mandat. Et le président, j'exécute. Je vous préviens que les exigences de Savin risquent de provoquer des remous dans la cellule. Les agents ont une certaine conception du service de l'État. S'il vous plaît, Paul. Je pense que vous avez les arguments pour les convaincre. Non, les voir se tortiller devant moi, sentir qu'ils savent que je sais, leur glisser parfois un petit message, ça suffit amplement à mon bonheur. Un journaliste a encore essayé de me faire parler sur l'avancée de vos mémoires. Ah, dites-leur que ça avance, que c'est de la dynamite. Je compte bien les tenir en haleine jusqu'à ma mort. Bonjour. Morgane Brésic, s'il vous plaît. Ah, je pense qu'elle est au fond du magasin, elle doit faire l'état du stock. Regardez-moi. Je vais aller. Ouais, je vous en prie. Merci. Bonjour, monsieur. Morgane Brésic. Oui. J'aimerais vous poser deux, trois questions. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai rien fait. Désolée de passer comme ça, mais j'avais pas ton numéro de téléphone, alors je me suis dit que, comme tu m'avais pas appelé, je te dérange peut-être, non? T'es pas tout seul? Ah, si, si. Je peux rentrer? Tain, c'est mortel! S'ils te prennent pas une dizaine de modèles, c'est vraiment des nazes. C'est des nazes. Mais merci d'y croire. C'était bien que tu restes cette nuit. Je veux dire, par rapport à Timmy. C'est un Tamagotchi. Ah, oui, d'accord. On se voit soir? Ce soir, ouais, je vais tout faire pour. Mais c'est pas impossible que j'en ai pour la nuit, parce qu'on est sur un gros chantier, c'est un peu chaud. Ils ont besoin d'antivirus en pleine nuit, tes clients? Ils ont besoin de revoir tout leur système, mes clients. Bon. Bon. Merde, hein? Casse-toi, tu me stresses. Ça fait 24 heures qu'il s'est pas manifesté. J'aime pas ça, Paul. Moi non plus. On est allé trop loin. Il est plus solide que ça. On l'a touché humainement. Il n'a plus rien à perdre. S'il parle, il tombe. Et nous avec. Attention à nous, madame.
crois. T'as toujours tes contacts à l'antiterrorisme? Quoi? Ça vient de chez eux. De quoi tu parles? David, le plutonium, toute l'affaire, ça vient de chez eux. Non, compte pas sur moi, Simon. Je connais Morel, c'est impossible que ça vienne de son service. Comme tu veux.